plus que quelques kilomètres et les usagers de l'axe Mandjou-Batouri diront adieu à la poussière et à la boue. Les travaux de bitumage de cette route avancent sérénement. À ce jour, nous avons déjà effectué 26 kilomètres de couche de roulement et la couche de base est déjà à 35 kilomètres et la couche de fondation est déjà à 40 kilomètres. Sur un total de 45 km à exécuter. Cet axe routier qui dessert le Congo est ouvert aux gros porteurs et les nombreux ouvrages construits ici respectent les règles de l'art. Vous avez dans cette classe 34 bus et 14 dallos. Nous avons des ouvrages de franchissement et des ouvrages de décharge. L'ingénieur du marché est sur le terrain de façon permanente pour se rassurer que les travaux qui se déroulent respectent les normes. C'est un projet qui a généré autour de 800 emplois. La délégation régionale des travaux publics dans la région de l'Est est aux côtés du maître d'œuvre pour veiller sur la conformité des procédés techniques de fabrication de l'ouvrage partie par partie. Ces travaux sur l'axe Mandjou-Batouri rentrent dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique au Cameroun et seront livrés en décembre 2021.